is no ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Vous prenez vos ordres et rendez compte directement à Sa Majesté, n'est-ce pas? Navré, nous n'avons pas le droit d'en parler. Ces cartes vous reviennent. De la véranderie n'en aura plus l'usage. Nous reparlerons du financement de vos futurs voyages, capitaine. J'en serai ravi. Chasser. As we were fishing off Haysborough Light, when the wind blows, we'll all pull together. Tenez-vous prêts! Par s'épuiser. On s'y croit dessus. Achève-le avant qu'il nous frappe avec sa queue. Attention à la barre. Prenez-vous plus aucun effet, capitaine. Approchez-vous du cordage. Cet animal est dangereux. Bon sang! Regagnez le navire! La prochaine fois, ce démon ne nous échappera pas! Ships may come and ships may go, as long as the seas do blow. But a sailor lad just like his dad, he loves the flowing pole. The woman ashore he does adore, a girl who's plump and round. When your money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack John, sit down. Hey! Come along, you jolly brave boys. There's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly rowing car. When Jack's ashore, he'll make his way to some old boarding house. He's welcomed in with rum and gin, likewise with pork and scouse. He'll spend and never offend till he lies drunk. Bravo! When he's gone, it's the same old song. Master Kenway. De la véranderie est mort. Je détiens les coordonnées. Je sais où se rendent les assassins. Alors, ne perdons pas de temps. Pensez-vous qu'Achille et Liam ont trouvé le site des précurseurs ? Le monde tient encore debout,
S'ils l'ont découvert, ils n'ont pas encore fait gronder la terre. De vrais gentilshommes. Il n'est pas trop tard. Master Geist, restez ici. J'accompagne Shay à terre. Monsieur, sauf votre respect, est-ce bien raisonnable ? Je suis le grand maître, c'est à moi qu'il incombe de régler cette affaire. Et de voir périr la confrérie d'Achille. Si les assassins provoquent un nouveau séisme, cette fois, peu de gens en souffriront. Je n'ai nullement l'intention de laisser tes anciens collègues détruire ce site des précurseurs. L'endroit serait magnifique s'il était moins glacial. Sois prudent. La glace semble bien fine par endroits. Je vois qu'Achille n'est pas venu seul. Je doute qu'ils s'attendent à ce que tous ces hommes survivent. En tout cas, nous sommes en infériorité numérique. Restons discrets. Et tenons-nous à l'écart des combats. Tes frères assassins peineraient à te reconnaître. Bien. Suis-moi là. Don't get your hopes up. I'll keep up with you. I can hit him from here. You have no business alone. Now! Down! You can't slip away!
Est-ce la pomme ? Non, ne touche à rien. Shay avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Enfin, tu le comprends, Achille. Cet édifice assure et maintient la cohésion du monde. Il n'est pas une arme pour le contrôler. Achille, toutes ces catastrophes n'auraient jamais eu lieu si tu avais accepté de m'écouter. Tu es toujours aussi insolent. Oui, et nous essayons d'y remédier. À tort ou à raison ? Tu as trahi la confrérie, Achille et moi. J'ai trahi l'homme qui m'a tiré dans le dos. Ottomène, c'était le chevalier. Je ne rate jamais. Liam, non ! T'as eu de la chance. Combien de fois dois-je te le dire, Liam ? Je crée ma propre chance. Comment tu t'y prends, misérable ?
Tu as détruit les assassins, trahi tous tes alliés, pactisé avec nos pires ennemis. Tout ça pourquoi? Pour sauver le monde. J'espère qu'il en vaut la peine, ce monde. Achille n'est plus rien maintenant. Un mentor, sans disciples. Quelle sorte de monde aurons-nous si la pitié n'y a pas sa place? Et puis, il a compris à quoi servent les sites des précurseurs. Sans lui, les assassins risquent de poursuivre leurs recherches. Tu as raison. Jamais ce qui s'est passé ici. Je n'oublierai pas. Mais le monde l'oubliera. Bon, et maintenant? Master Geist se chargera d'anéantir les assassins jusqu'à effacer leurs dernières traces. Avec bien sûr l'aide de Master Wix et des autres. Achille a désormais tout perdu. Il ne peut pas quitter son domaine. En effet. Shay, notre quête des précurseurs touche à son terme, mais il me faut cette boîte. Trouve-la pour l'Ordre des Templiers et pour moi-même. Qui sait où elle peut bien être? Il me faudra peut-être des années. Voir ta vie entière. Acceptes-tu cette mission? Bien. Incroyable! J'aurais jamais cru qu'il avait un tel potentiel. J'ai tout ce qu'il me faut pour accomplir notre présente mission. Encore une chose, cobaye. Faut que tu uploades l'histoire de Shay. Mais pas dans Helix. Je veux que cette histoire parvienne à des personnes bien précises. Ce que je dis, c'est que Violette n'était pas obligée de nous engueuler parce qu'elle a réparé l'ascenseur avant nous. J'arrive pas à penser que ce soit bien pleuré. Elle m'a dit que... Laisse tomber. Pour vous remercier de vos services, je vous accorde une autorisation de niveau 3. Toutes les portes sont désormais accessibles. Dans un lointain passé, les assassins avaient un noble but, la paix. Mais au fil des siècles, ce but a laissé place à un autre bien plus dangereux. La liberté. Eh merde! Question. Là, suis ces lumières et tu trouveras ce que tu cherches. Suis la lumière, je te promets que tu mourras pas. C'est pas moi qui me suis trompé de chemin. Suis les lumières. Dépêche-toi, cobaye. On n'a pas fait tout ça pour rien. Votre communicateur devrait fonctionner. La confrérie des assassins existe encore aujourd'hui. Elle reste dévouée à sa cause dépassée. Je suis un templier. Je protège le monde contre les assassins. Aujourd'hui, vous m'avez aidé à remplir ce rôle. Maintenant, rallumez les serveurs.
Otzoberg. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Servez-vous du terminal pour uploader l'histoire de Shay sur le réseau des assassins. Les assassins de l'ère moderne sont faibles. Tôt ou tard, je finirai par les débusquer et je les tuerai. Jusqu'au dernier. Mais leur mort n'est pas suffisante. La tragédie d'Haïti s'est reproduite au Portugal. Un terrible séisme. Des milliers de morts du fait de votre manuscrit. Fais-le sortir. Je veux qu'ils prennent conscience de leur faiblesse. Je veux que le monde entier les voie souffrir. Et le jour où ils croiseront ma route, la mort que je leur offrirai sera pour eux une délivrance. Shay avait raison. Qu'est-ce qu'il en sait ? Bien plus que moi, apparemment. Mon plan est en marche. Je n'ai plus rien à vous demander. Mais l'histoire de Shay demeure inachevée. J'aimerais beaucoup que vous la meniez à terme. J'avoue, tu m'as bluffé. T'as vraiment assuré, Cobaye. Et oui, moi aussi je fais partie des Templiers. Depuis des années. Il reste un petit bout de mémoire à explorer. Je sais que c'est difficile, mais je crois que tu devrais l'avoir. Palais Royal de Versailles.
Résidence de Louis XVI et Marie-Antoinette. Quelle décadence! Bonne chance, cobaye. Oh, Shay! Vous me semblez apprêté pour côtoyer la noblesse. Peut-être le roi Louis en personne vous accordera-t-il audience. Je doute que cet habit me donne accès aux appartements du roi. Qu'importe, je ne suis ici que pour y retrouver une relation d'affaires. Oui, j'ai appris qu'un groupe de marchands serait présent aujourd'hui. Ils viendront peut-être assister à ma démonstration scientifique. Ils le devraient, ça leur ferait le plus grand bien. Mais si j'étais vous, je ne compterais pas sur leur présence. Veuillez m'excuser. Merci pour tout, Master Franklin. Bon, je dois trouver Charles et cette maudite boîte. C'est lui, Charles Dorian. Quand on a volé ses pommes. Je m'appelle Arnaud. Élise, je suis venue avec mon père. Moi aussi. Il a une affaire importante avec le roi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Messieurs, je protégerai cette relique au péril de ma vie. Arnaud ? Où es-tu passé ? Arnaud, mon fils ! Vous l'avez peut-être vu ? Solde de vieux comte, voilà tout. Vieux Connor et ses assassins. Tout ce qu'ont fait les Templiers, la Révolution américaine l'a défait. Alors peut-être nous faut-il en provoquer une autre. Respecter les préceptes de notre ordre. Et tout ce que nous défendons, ne jamais divulguer nos secrets.
ni la véritable nature de nos actes. Restez fidèles, quoi qu'il advienne, jusqu'à la mort. Tel est mon credo. Je suis Shay Patrick Cormac, templier du rite colonial, du rite américain. J'ai gagné en âge, peut-être en raison. Une guerre et une révolution ont pris fin. Une autre va bientôt éclater. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille ici aujourd'hui. Je dois bien reconnaître que t'as largement dépassé ton statut de cobaye. Les données extraites des mémoires de Shay Cormac se sont révélées précieuses. L'histoire de Shay porte un message. Elle nous enseigne que face au danger, l'assassin recherche non la liberté, mais l'ordre. Or, nous incarnons l'ordre le plus élevé qui soit. Ce que vous avez découvert dans l'Animus n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous existons depuis des millénaires, bien avant l'histoire connue de l'humanité, et venons de renaître de nos cendres, derrière la façade d'Abstergo Industries. Et Entertainment. Vous avez franchi le seuil, et ouvert grand les yeux. Vous avez vu le monde tel qu'il est réellement. Il est trop tard pour reculer. On a de grands projets pour toi. Le Père de la Sagesse vous a guidé jusqu'à nous. Et de cela, nous rendons grâce. Nous allons aujourd'hui vous mettre à l'épreuve. Et elle commence par un choix. Rejoignez-nous, et vous connaîtrez un avenir radieux. Refusez.